Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Planet Coaster. Nous en sommes à l'épisode 4, j'espère que vous suivez jusqu'ici notre petite série détente, on peut l'appeler comme ça je pense. Et on va essayer de refaire un épisode sans cut bien évidemment. Donc on va attaquer des boutiques, on va attaquer de nouveaux manèges, de nouvelles montagnes russes. On va essayer aussi de rajouter des petites enceintes et de diffuser de la musique sympa dans le parc, ça pourrait être pas mal. Parce que qui dit musique sympa dans le parc dit aussi musique sympa pour la vidéo hein, qui nous accompagne, plutôt que d'entendre des gens crier, gueuler, voire vomir. Bref, on se rapproche encore et encore et encore et encore de Noël chaque jour qui passe, c'est incroyable. Je sais pas pourquoi je suis content, parce que c'est vraiment les fêtes que j'apprécie le plus en cette fin d'année, parce que c'est celle où tu vois ta famille, voilà, c'est celle où tu te réunis autour d'une table, personne ne juge, mis à part ton oncle bourré qui commence à sortir des vannes très limitées, mais bon, c'est ça qui est bon, c'est ça qui est drôle, et j'espère que vous avez prévu de choses totalement incroyables en ces jours de fête. Moi, faut savoir que je préfère l'hiver. Je préfère clairement l'hiver plutôt que l'été, je ne sais pas pourquoi. J'aime le froid, la neige ne me gêne pas, la pluie ça me gêne un peu plus, mais j'aime la neige. Voilà, donc je préfère quand il fait extrêmement froid plutôt qu'extrêmement chaud. Me demandez pas pourquoi les gars, on a tous hein, des petites envies. Pourquoi il y a un bouchon là? Qu'est-ce qui se passe les mecs? Les mecs ils s'embrouillent, il y avait 4 familles qui s'embrouillaient ici. Bref, on va faire un dézoom total de notre parc pour l'instant. Pour l'instant il commence à avoir de la gueule, on avait attaqué le chemin hein, bien évidemment autour de notre mini lac et une montagne russe, on va rajouter une montagne russe, tiens tu vois j'ai même des succès frère, je ne sais pas pourquoi, il s'est rien passé, progression, j'ai pas eu le temps de lire, donc on va ajouter pas mal de petits trucs. Ah, on avait aussi ouvert cet espace là, vous voyez, avec les 3 maisons, histoire de rajouter de la vente, c'est plutôt cool, nombre total d'objets, ils en ont 109, 109 c'est énorme. On est en moins 27, c'est terrible, c'est terrible. A fait l'objet de réparation, accéder à l'attraction. C'est bon, il est réparé. Il est réparé. On est bon, on est bon, on est bon. On est à moins 134$. Statistique de l'attraction, on est en perte. Hein. On est en perte, c'est fort dommage. Pourquoi autant de pertes, les amis? Ouais, et n'hésitez pas à me dire, parce que c'est vrai que c'est de la gestion très solide, Planet Coaster. C'est pas évident, c'est assez compliqué. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des petits trucs que je ne sais pas ou que je fais mal, c'est très important. Ça va nous permettre pas mal de petites choses sympas. Alors là, on avait fait une attraction, me semble-t-il, avec une peur assez, assez élevée. J'aimerais bien faire une attraction. Une attraction qui tabasse. Mais genre qui tabasse de ouf, tu vois. Donc là, c'est elle pour l'instant qui est le plus enclin à la peur, j'ai envie de vous dire. Ah, 4,70. Non, c'est toujours elle. Ok. On a donc là l'attraction la plus flippante. Oh, shit! J'étais pas prêt. J'étais clairement pas prêt. D'accord. On a donc là l'attraction la plus flippante des attractions qu'il nous propose. Évidemment, après ces étapes, après ces premiers épisodes, on attaquera nous-mêmes, bien évidemment, notre propre, comment on peut appeler ça, notre propre attraction. On va la créer nous-mêmes et on va faire un truc totalement démentiel. Alors là, là, ça va être terrible. Là, ça va être terrible. Il va falloir trouver où la mettre. Et de toute évidence, ça va pas être évident. De toute évidence, ça ne sera point évident. Je peux la mettre là, mais je ne peux pas la mettre là. Pourquoi? Ah si, je peux la mettre là. Ah, d'accord. C'est parce qu'il y a un pylône qui déborde un petit peu. Waouh, ça prend énormément de place, cette connerie. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh putain, c'est passé. Ok, c'est passé. C'est passé, c'était pas prévu. C'est pas grave. Bon, on va placer l'entrée. Alors là, ça va être terrible. Donc l'entrée, on va plus la mettre par ici. Hop, ça me paraît plus sympa. On va placer la sortie ici, ça me paraît cool. Et relier, on va relier tout ça. Donc, on est parti les gars. On va faire des petites allées. On va faire une file d'attente. Et nous allons relier notre incroyable montagne russe. Ah oui, en plus, il y a un décor les gars. Regardez, c'est pas beau ça? Ça, c'est une belle montagne russe de flanc ça. Ok. Vous savez quoi? On va la mettre noire. Histoire de faire comprendre aux gens que c'est une piste noire, hein, l'équivalent d'une piste noire en montagne russe. Ouais, parce que je m'y connais, hein, les gars, en montagne russe. Hein. Ok. Ouais, on va faire en strapontin. Voilà, c'est un mot que je souhaitais employer durant cet épisode. Je me suis dit, c'est vrai que c'est un mot qui est pas assez employé. Ok. Ok, baby. On est bon.
On est bon les potes, on va faire quoi? Une petite allée, bien évidemment. Alors là, par contre, va falloir faire une allée très strong. Donc, en largeur, on va mettre le max. On va retirer allée rambardée. Et c'est pas la bonne allée. C'est terrible. Quel est ce... Hop. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ok. Ouais. Ça va pas être évident cette histoire, les gars. Ça va pas être évident. Ok, on va rajouter un peu de longueur parce que là, ils se foutent de ma gueule. Ah oui. Eh oui, et ça ne passe pas. Voilà, c'est beaucoup mieux. Maintenant, alors là, les gars, pour relier, j'étais un petit peu, c'est mon petit côté un petit peu américano. Ça va être terrible. Ça va être terrible. En longueur, on va rajouter 5. Ok, on est bon. On est bon, messieurs. Et on va bien évidemment relier notre entrée. Hop. Qu'en pensez-vous? Pourquoi tu vas à tout prix qu'est-ce qui se passe? D'où tu sors cette manipulation incroyable? On est bon! On est bon, il va falloir maintenant la tester, n'est-ce pas? C'est très important de tester une application, donc on va... Enfin, une application, non, ce n'est pas vraiment une application. On va la tester, on va se mettre dans la vue, un petit peu dans la caméra, histoire de kiffer. Et c'est parti, on va voir un petit peu cette application. Enfin, pour le moment, c'est les frissons commencent à monter. Tu es là, tu commences à poser des likes sur la vidéo. Tu commences à poser des likes, le compteur de likes commence à monter petit à petit. Nous avons atteint les 1000 likes, c'est incroyable. Je suis super content, je vous remercierai jamais assez. Boum, on atteint maintenant les 2000 likes. Alors là, c'est génial, je suis presque aux anges. Là, le compteur ne cesse de monter parce que vous trouvez cette vidéo totalement incroyable. Et vous voulez la partager à tous vos amis, toute votre famille. On atteint les 4000 likes. Oh my god, 4000 likes sur du Planet Coaster épisode 4. Boum, ça s'arrête plus, vous avez enculé la barre de j'aime. Nous sommes à 6000 likes. Et forcément, qui dit une grosse montée, dit une grosse descente. On a kiffé nos races, il y a 6000 likes, il faut fêter ça. C'est parti, on fait du 0 à 100 à l'espace d'à peu près 5 secondes. C'est totalement incroyable. On lève les mains, les mecs. Ah, hop, t'as pris un arbre, t'es mort. Là, t'es censé avoir pris un arbre. C'est pas mal, ça. Elle est pas mal. Très fort, le son. Très, très fort. Regarde, là, hop, hop, tu te penches la barre, t'es mort. Ah, elle est pas mal, hein. Pas mal du tout, hein. Alors j'ai perdu 3 oreilles. J'ai perdu 3 oreilles. C'est pour ça que je crie, les gars. Parce que le son était tellement fort que j'ai réellement perdu 3 oreilles. Très sympa, ça, hein. J'aime bien, hein. Putain, casque de réalité virtuelle, ça doit être terrible. Évidemment, on peut bouger la caméra. On peut regarder ailleurs. Voilà, tu peux regarder mes jambes, mes skins. C'est des pantins, hein. Oui, nous sommes des pantins, les gars. C'est un test, hein. C'est pas des vraies personnes, bien évidemment. Ah, c'est pas mal. Elle est propre. Elle est très, très propre. Hop, on peut se barrer. Très, très propre. On peut maintenant, normalement, l'ouvrir. Mission complete. On est dans la nausée. On est dans le vomi. Et c'est parti. On va ouvrir ça. On peut continuer. Bon, on a notre deuxième attraction qui n'est pas du tout éclairée. Hein. Elle est un petit peu possédée, là, je vous avouerai. On va pas éclairer encore là-haut. C'est pas bien grave en soi. En soi, oui, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu dire autre chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire de très intéressant, de très alléchant? Déjà, des toilettes. Toilettes, ça peut être pas mal. Je pense que ce n'est pas négligeable, bien évidemment. Donc, on va foutre des toilettes. Hop, voilà. Attendez. Quel est ce subterfuge? Attendez. Hop. Ah, c'est bien comme ça. D'accord, c'était bien comme ça. Alors, on va foutre des toilettes juste à côté. Hein. Voilà. Bouge pas, bébé. Hop. On va foutre des toilettes juste à côté. Parce que bon... Il y a des cacas qui vont se perdre très vite, hein. Il y a des cacas et des fomis qui vont se perdre très vite, dégueulasses. Donc, on les met à 1 dolls. Ça va, 1 dolls, les gars, ça va. T'es large, hein. 1 dolls, t'es méga frère. Et toilette numéro 2, on va les mettre à 1 dolls. On va mettre aussi des poubelles, n'est-ce pas? Au cas où. Pour l'instant, il n'y a personne qui ose y aller, hein, si j'ai bien. Ah, si, il y en a qui s'y dirigent. Ah, c'est dommage, va falloir faire un petit. Une attraction tranquille avec plusieurs gares qui fassent tout le tour. Ça, on y avait pensé aussi. On y avait pensé. Donc, on a les chiottes juste à côté. C'est vraiment... Alors, quand tu vois une grosse attraction avec des toilettes collées, c'est rarement bon signe.
c'est que tu vas passer une sacrée soirée. Tu vois ce que je veux dire? Donc fais attention à toi. Distributeur de billets. Oui, un distributeur de billets, c'est toujours cool. On va en mettre un. On va en mettre un. Et d'ailleurs, on va le poser. On va le poser par ici. Attendez. Hop. Voilà. On peut le poser où? On peut le poser par ici, non? Ça paraît pas mal, ça. Hop, un distributeur de billets par-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un point d'info. On va pouvoir en mettre un nouveau là-haut, quand même. Parce qu'imagine, la personne a oublié de prendre ses petites infos. Hop! Et ben, elle n'oubliera plus. Et niveau cadeau, ben, va falloir des cadeaux maintenant. Va falloir des cadeaux totalement incroyables. Étant donné que c'est une attraction qui fait Psartek, t'en prends plein la gueule, on va faire des cadeaux un petit peu futuristes. Et on va faire là-haut un décor futuriste aussi, hein, un décor qui suit. Pourquoi pas plutôt? Ah, c'est pas mal. J'ai une petite idée. J'ai une petite idée qui peut être fort sympa. Vous voyez, j'ai séparé en deux le parc, entre guillemets. Tout ce côté, c'est... Enfin, après le notre lac incroyable, tout ce côté sera un peu futuriste et tout ce côté sera un petit peu western, le passé. Ça peut être cool, ça. Ça peut faire plusieurs thèmes, plusieurs quincaphonies totalement, totalement incroyables. Qu'est-ce qu'on a? On a du futuriste aussi en boisson? Ah non, par contre, en boisson, les mecs, vous allez où, là? Buvette, ok. Petite boutique de village. Conte de fées. On n'a pas du tout de choses futuristes. C'est incroyable. On en a une. On en a une de temps en temps. Ça s'arrête là. Ok, on va prendre ça. Hop. Et on va... Eh ben, on va les mettre, tout simplement. Ok. On est bon. On a quelques petites boutiques. Voilà, pour pas que les gens aient fait tout ce chemin pour rien. Maintenant, on va passer vite fait. On va essayer de faire ça proprement et rapidement. À la décoration. Alors, il va falloir que je trouve cet arbre. C'est quoi? C'est des marula. Oh, je connais bien ça. J'adore les marula. Les marula avec un peu de piment d'Espelette. Tu verras, c'est, tout se passe super bien. C'est bon, on a nos marula, les mecs. Putain, c'était terrible. Hein. C'était pas évident, cette petite connerie. Alors, souvenez-vous, on en avait mis un tous les... Oh, putain, non. Oh, c'est totalement parti en couille. On en avait mis un tous les deux comme ça, mais tout s'est décalé. C'est terrible. C'est terrible. C'est pas grave. Hop. Nickel. Nickel, on peut suivre comme ça. Aucun putain de problème, les mecs. Et ben voilà. Vous voyez, ça va assez rapidement hein, quand on s'est mis un... Comment on peut appeler ça? Non pas un objectif, mais un petit point de repère, voilà. Parce que j'ai été expert hein, dans tout ce qui est arbre. Voilà, c'est ça me connaît. Hop, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça, bébé. Maintenant, on va repasser aux lampadaires. Évidemment, les lampadaires. Incroyable, les lampadaires. Hop, on va retirer les marues. J'avais mis ceci. Voilà. Donc, on y retourne, on les remet. Voilà. Un par deux, comme d'habitude. Il faut éclairer cette putain d'allée. Il faut que ça soit le démon. Le démon tellement c'est beau. Ok. C'est beau ça, les gars, non? Avec cette petite musique apaisante. J'espère que ça vous plaît, ces vidéos détentes, un peu. Ce Creature Park. Hop, voilà, c'est pas mal, ça, bébé, ouais. C'est pas mal, ça. N'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est pas mal? Bon, on va passer au banc. Au banc, ça serait... Alors, les panneaux, on les mettra tout à la fin, quand on aura nos... comment on peut appeler ça? Nos termes définitifs, dans tout. On va mettre poubelles, des poubelles. J'ai mis lesquelles, ici? Bougez pas. Bougez pas. J'en avais pas mis. Ah, j'ai mis celle-ci. Attendez. J'avais mis celle. Yes. Ok. J'avais mis celle-ci. On va en mettre juste sous les arbres de temps en temps. Voilà, ça c'est beau ça. On va essayer. Ah, oh, j'aimerais bien faire un rond-point. Parce que c'est dégueulasse cette aile-là. On va essayer de faire travailler un rond-point après. Un petit truc vraiment sympa. Et ici, j'aimerais une structure monumentale. Une fontaine d'enculé, mon pote. Tu vois ce que je veux dire? J'aimerais vraiment THE fontaine. Jean. J'aimerais qu'il y ait Jean de la fontaine qui arrive et qui kiffe aussi, putain. Les bancs maintenant. On avait dit les bancs. Alors là, c'est terrible. Bougez pas. Il n'y a jamais personne assis sur mes bancs. Ils n'aiment pas mes bancs, quoi. Ah, c'est possible en soi hein, qu'ils n'aiment pas mes bancs. Hein. Non, j'ai mis des bancs un peu plus ghetto. Hein. Ah, y a jamais personne sur mes bancs en plus, bande de bâtards. On va essayer de travailler tout ça, un de ces quatre là. Mais peut-être qu'ils sont mal placés, peut-être qu'il faut les mettre à l'extérieur, je ne sais pas. Ok.
Vous avez vu depuis qu'on a changé dans le parc les heures de disponibilité, on voit beaucoup plus la nuit, c'est plutôt cool. Putain, ils étaient en train de kiffer. Ils sont passés près de la caméra, ils ont kiffé. Yes, on est bon. On est bon, messieurs. J'aimerais quoi maintenant? J'aimerais un E, j'aimerais un M, j'aimerais un R, Mr. B-Boy. Ok, on va passer là-dessus. Yes, on va passer là-dessus. Alors là, les gars, c'est du travail très fin, c'est du travail très technique. Évitez de me déconcentrer, s'il vous plaît, dans les commentaires. Parce que c'est vraiment gênant. Ok. Je peux faire comme ça aussi, c'est pas mal. Mais bon, c'est vrai que c'est rare. Souvent, les lampadaires sont là en face des autres. Hop, ça fait des... En plus, ça fait une paire de fesses, on apprécie. Comment j'ai fait pour voir une paire de fesses sur de la lumière? Me posez pas la question, les gars. Hyper gênant. C'est vrai que c'était hyper gênant, ce que j'ai dit. Alors, attendez. Hop. On est pas mal, là, non? Vous en pensez quoi? Pas mal, ça. Regardez, ils kiffent, les gens. Tu sens la lumière, pardon, qui... Devant eux, ils ont l'impression d'être des dieux. Bande de salopes. Vous verrez quand vous payerez deux fois plus cher. Ah mais c'est vrai que c'est un très long chemin. Putain, t'as intérêt à le kiffer ton... T'as intérêt à le kiffer ton attraction. Ok. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, ma petite gueule. Ok, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal, messieurs. Maintenant, on va essayer d'attaquer de nouveaux arbres sur le côté. Donc voilà, hein, c'est le côté un peu chiant, hein, entre guillemets. Donc on va attaquer de nouveaux arbres et voilà ce qu'on va faire. Dégueulasse cet arbre, plus jamais. On avait dit qu'on ferait un petit peu futuriste, c'est ça? Ça, c'est futuriste, ça? Oh, c'est mignon, ça. Je veux des arbres rouges. C'est très mignon. C'est mignon, ça aussi. C'est... Attendez. Hop, on va retourner par là. Oh, c'est pas mal, ça. Un bébé, regarde. Oh, c'est pas mal, ça, tu vois. Là, on a fait une petite déco, là. Une petite déco familiale, je ne sais pas pourquoi je crie, mais parce qu'elle est familiale sans doute. Ça c'est beau ça, là on est bon là bébé, ouais. Bon, va falloir quand même faire le petit train et remplir aussi ici, ça pourrait être sympa. Ah ouais, ça peut être cool aussi. Alors bougez pas, je sais pas, j'ai une envie de déco là les gars. Y a un petit côté Valérie D'Amido qui est rentré, qui m'a pénétré, n'est-ce pas? N'est-ce pas Valérie? Pas mal ça, ouais bébé, ouais. Alors vous en pensez quoi? Et maintenant regardez ce qu'on peut faire. Et ben voilà. Ouais, faut éclairer encore plus hein. C'est pas assez éclairé. Là on a fait les rats là sur l'éclairage hein, là. On a fait de l'économie hein. Pas mal ça. C'est pas mal ça. Oh là. Oh là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui... Il y a une manipulation. Il y a quelque chose d'obscur qui se crée. Ok. Ouais, c'est pas mal ça. Ça part totalement en couille, je vous l'accorde, mais c'est pas mal. Projecteur carré. Ah ouais. Ah mais putain, les effets d'ombre, de lumière, vraiment bien fait. Hein. Incroyable. Regardez. Voilà. Incroyable. J'adore.
J'adhère, j'adore. Pas mal ça. C'est propre, c'est de plus en plus propre. On apprécie énormément. Bénéfice mensuel, moins 3000. Bon, ça, on apprécie moins, par contre. On apprécie clairement moins. Mais on va y arriver. On va y arriver. Dites-moi, hein, n'hésitez pas à me donner pas mal de conseils sur ce qu'il faut faire pour réellement être dans le positif, pour avoir beaucoup de choses. Beaucoup d'argent, plutôt, sans en dépenser autant. Ça serait pas mal. Après, j'ai acheté pas mal de choses. C'est peut-être pour ça aussi que je suis dans le négatif. À voir, écoutez. Qu'est-ce qu'on a? Grande entrée. Non, ça, c'est les entrées. C'est pas super ouf. On va aller là-dedans. J'ai acheté une nouvelle boutique aussi, que j'ai téléchargée. Vous m'en direz des nouvelles. Qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose... Là, on a quelque chose de futuriste encore. Pas mal, ça, non? Hop. Regardez. On va le foutre où? On va le foutre ici. Qu'est-ce que c'est, d'ailleurs? Attendez, parce que... Une petite entrée. Une entrée de quoi? Une entrée de quoi, cousin? C'est une entrée futuriste. Je ne sais pas. Stand de nourriture futuriste. Voilà. Attendez. Ok, non, j'ai eu peur. C'est pas mal. Allez, hop. Stand de nourriture futuriste, c'est fait. Tout ce qui est avec prise de screen, stand de nourriture. C'est quoi ça? C'est boisson, non? Non, c'est un stand de souvenirs, je crois. Et une zone commerciale futuriste. Ça, c'est beau, ça. Ouais, bébé, ça, c'est beau, ça. Oh, les gars! Qu'est-ce qui... Oh, les mecs! C'est bon, je suis revenu, les gars. Pas de panique. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. On va partir un peu sur du futuriste. Je vais faire une allée décorée aussi en futur. Ça peut être cool. Ça peut vraiment être cool. Par contre, il y aura des cuts pour cette allée-là. Parce que ça va demander pas mal de temps. Je sais même pas combien de temps on en est là, pour être honnête avec vous. Je sais pas combien de temps on en est de record. On va continuer encore un petit peu. Bon, on a une nouvelle. On va faire déjà un petit compte-rendu. On a une nouvelle attraction. Plutôt cool, les gens aiment. D'ailleurs, des haut-parleurs, ça pourrait être sympa. Bougez pas, on va de suite en mettre. Haut-parleurs. Là, ça va être terrible. Haut-parleurs, on en a. Yes. C'est élégant. C'est élégant, comme ils disent. Ouais. Je sais pas, j'essaye de trouver des trucs qui peuvent être sympas. C'est pas fou. Ah, on a des trucs du futur, ça y est. On a des trucs du futur. Pas mal, ça. Cet homme est affecté dans le futur. Plutôt cool. Le parc est jonché de détritus. Oh, d'accord, il faut plus de toilettes. Les gens sont des pisseux. Jonché de détritus, bah écoutez, on va essayer de faire tout de suite. Oh, il y a des bâtiments. Eh ouais, j'avais pas vu ça. Faut que je télécharge des bâtiments futuristes, on a vraiment pas assez. Je vais télécharger tout ça, les gars, pour les prochaines fois. D'accord. Bon, il faut des poubelles. Il faut des poubelles. Et les poubelles, c'est dans l'environnement. Donc, poubelles. Il y en a pas, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui se passe? Dans tout, peut-être, non? Si je tape pou. Ok, on les a. On les a. Hop, poubelle un peu futuriste. On va en mettre un petit peu partout sans faire trop les ricains. Voilà. Vous kiffez, messieurs. Ok, on est bon. On mettra des... Je ferai ça, en off. Et je vous montrerai le résultat. Je mettrai des projecteurs, hein, qui seront en direction d'ici. Et des haies derrière pour pas qu'on voit... Ça peut être cool aussi. Écoutez, on va s'arrêter là. Alors, encore une fois, pour l'instant, cette zone, on dirait le gros bordel. Je suis d'accord avec vous. C'est moche. Il n'y a rien de spécial à voir. Mais vous inquiétez pas. Faites-moi confiance. C'est comme cette avenue. Hein. Cette avenue, elle n'était pas ouf. Et regardez, maintenant, elle est totalement incroyable. Regardez, on a envie de vivre dans cette avenue. Hein, on est bien d'accord. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, et un petit commentaire si vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouve très prochainement avec des petits cuts. Oh, regardez. Ça aussi, c'est beau. Hein, vous kiffez? Ah, très bien. C'est le pire truc placé au monde. Là, je me suis foutu de bien. Hop, voilà, c'est beaucoup mieux. Vous avez vu? J'ai le sens un peu du détail. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos incroyables aventures. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. À très bientôt, tout le monde.